bonjour à tous, nous sommes avec Lola. Lola, bon, si à la compte de 3, tu vas pouvoir te mettre debout, les yeux fermés, et tes pieds vont rester coincés, collés au sol, avec le 1, le 2, le 3. Hé, hey, mets-toi debout, tes pieds restent coincés, collés, soudés au sol. Impossible de décoller. Essaye de décoller, c'est impossible. Essaye de décoller, c'est impossible. Impossible. Et plus t'essayes, plus ça colle. Excellent. Fixez-moi très fortement dans les yeux. 1, 2, 3. Dormir, sommeil profond, très profond, sommeil sans jamais tomber. Dormir, sommeil profond, très profond, sommeil sans jamais tomber. Sans merveilleusement dans cet état très très calme, très détendu, très très relâché. Quelques instants, lorsque tu vas ouvrir les yeux, tu vas vivre un rêve comme si tu étais en somnolence. Tu vas voir devant toi tous ces arbres, l'arbre pris d'une couleur éclatante, celle que tu veux. Une très très belle couleur, avec le 1, le 2, le 3 ou les yeux. Tu vois ces arbres. Et dis-nous comment tu les vois, quelle couleur ils ont. Les verts, ils sont beaux. Une belle couleur. De 5 à 0, chaque chose que je commence, que vous pouvez partager. 5, 4, 3, 2, 1, dormir, sommeil, profond, très profond. Dans quelques instants, lorsque tu vas te ouvrir les yeux, tu vas réaliser que tu es sur une piste de glace, tu sais, à la patinoire. Mais tu ne sais absolument pas patiner. Tu ne sais absolument pas patiner. Mais sans jamais tomber, tu vas essayer de skier quand même. Patiner. Ok, tu as bien compris? Tu vas essayer de skier, mais tu ne vas pas tenir sur tes jambes, tellement c'est difficile. Tu vas essayer de te tenir partout, mais tu ne vas pas réussir à tenir debout. Alors sans jamais tomber. 1, 2, 3, ouvre les yeux. T'es où là? Non, tu vois pas? Tu vois pas la petite classe? Alors ça peut arriver qu'elle ne voit pas toujours les suggestions, mais c'est pas très grave, on peut continuer quand même. Regardez. Fixez-moi très fortement dans les yeux. Alors elle est quand même dans une suggestion, elle est toujours dans un rêve, mais son rêve, elle le vit comme à moitié, tu vois, comme un somnambule. On va pouvoir la réveiller. Lola, dans quelques instants, je vais te réveiller, tu vas être parfaitement détendu, parfaitement relâché, tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu as vécu sous hypnose. Alors attention, à mon signal au compte de 3, tu te réveilles parfaitement détendu, parfaitement relâché, avec un grand sourire et la joie de vivre, avec le 1, le 2, le 3. Hey, réveille-toi! Dis-nous un peu ce qui s'est passé. Approcher. Un peu bizarre. Ouais, dis à la caméra parce qu'ils sont intéressés les gens, tu sais, savoir. Bah c'est un peu bizarre. Enfin, ouais, bah moi je vis, enfin je suis consciente, mais je sais pas, c'est bizarre. Ça t'a plu? Ouais. Mais t'étais dans le rêve ou parfois tu voyais pas la patinoire. Mais ça peut arriver ça. Mais ça t'a fait du bien, ça t'a relaxé? Ouais, un peu, ouais. Tu conseilles aux gens de YouTube? Bah ouais, bon, c'est une expérience à vivre. Merci Lula.